Les homosexuels sont trop souvent victimes de l'intolérance. Et c'était bien le but de cette manifestation, mieux se faire comprendre, mieux se faire admettre. Papa, je sais que c'est difficile à entendre, mais je vais te le dire, je suis pédé. Et puis quand je serai majeur, je vais partir avec Serge, que tu le veuilles ou non. Ce type est malsain, c'est un pervers. Parce que pour moi, ce que vous faites tous les deux, ça n'a rien à voir avec de l'amour. C'est juste dégueulasse. C'est ton Roger qui est dégueulasse, papa. On veut la même chose que les autres. Rien de plus, rien de moins. On veut qu'on arrête de nous traiter différemment. Qu'est-ce que tu comprends pas? Serge et moi, on est un couple. Vous savez que ça change vraiment l'emploi du temps d'avoir un enfant. Pourquoi voulez-vous adopter? C'est pas le moment de se pointer à la Gay Pride. Il y a une enquête en cours. Je veux plus Victor. Je crois que j'ai jamais voulu être père, moi. Comme toi. Mais c'est ridicule. Tu peux vivre encore des dizaines d'années, tu le sais. Les médecins le disent. C'est quoi, j'aurais vraiment mal le jour où Serge meurt, il me restera que toi. Tu l'as déjà trompé, ton mec? On a une relation ouverte. Confiance. Si j'ai une faveur à vous demander, il faut plus jamais revoir Céline. Plus du tout. Épouse-moi. Pardon. Je sais que tu vas me dire que t'es malade. Ça va, je suis pas aveugle.